Bienvenue au quartier de la caserne de Beaune de Grenoble, l'un des plus grands écoquartiers de France, construit en 2010. Tous les bâtiments de ce quartier présentent une grande efficacité écologique et énergétique. Intéressons-nous de plus près à ce bâtiment. Savez-vous que ce bâtiment est particulier puisqu'il est à énergie positive? En effet, il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Environ 292 000 kWh produits contre 161 000 consommés. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que cela signifie? Pour qu'un bâtiment soit énergie positive, tu l'as dit Fred, il faut qu'il produise plus d'énergie qu'il n'en consomme. Cela est très compliqué car le bâtiment doit disposer d'un système de chauffage très performant, sachant que le chauffage correspond à environ 60% de la consommation énergétique. En effet, ce bâtiment utilise une pompe à chaleur géothermique réversible sur la nappe phréatique pour le chauffage et la climatisation. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'une pompe à chaleur et comment fonctionne-t-elle? Une pompe à chaleur est un système performant utilisé pour chauffer ou refroidir un bâtiment. Elle récupère la chaleur présente dans l'air ou l'eau de la nappe phréatique, et permet de produire en moyenne 3 fois plus d'énergie par rapport à celle nécessaire à son fonctionnement. Voici comment cela fonctionne. L'évaporateur qui est juste ici capte la chaleur des différents éléments que sont l'air, l'eau ou le sol. Le fluide caloporteur présent dans l'évaporateur est à basse pression. Celui-ci est chargé de transporter la chaleur entre plusieurs sources. Ce fluide caloporteur va ensuite se diriger vers le compresseur qui va augmenter sa pression, ce qui aura pour conséquence d'en augmenter sa température. Le condenseur va quant à lui transmettre la chaleur du fluide caloporteur au radiateur ou au plancher chauffant. Le fluide va ensuite aller vers le détendeur qui va réduire sa pression et reviendra à l'état initial. Jamy, il est écrit ici que c'est une pompe à chaleur OO. Que cela peut-il signifier? Les pompes à chaleur OO font partie de la famille des pompes à chaleur géothermiques, c'est-à-dire qu'elles prélèvent la chaleur qui est naturellement présente dans le sol ou l'eau de la nappe phréatique. Cette chaleur est ensuite transférée dans le circuit d'eau chaude du système de chauffage. Ce type d'installation nécessite un puits de captage et un puits de rejet. Il y a différents types de captage qui peuvent être réalisés. Le premier est que le captage horizontal est la solution la plus utilisée car elle ne nécessite pas d'importants travaux et les capteurs sont enterrés à faible profondeur, environ 1 mètre. Le second, qui est le captage vertical sur la nappe phréatique, nécessite quant à lui d'importants travaux et des forages pouvant aller jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Et pour une installation domestique, un tel investissement est-il nécessaire? Non Fred, il existe différents types de pompes à chaleur. En plus des pompes à chaleur géothermiques comme celles que nous venons de voir, il y a les pompes à chaleur aérothermiques de type RR ou RO qui récupèrent l'énergie présente dans l'air et ne nécessitent pas de système de captage au sol. Elles sont donc plus simples d'utilisation, moins coûteuses et présentent de moins bons rendements que les pompes à chaleur géothermiques. Merci Jamy. Maintenant nous allons voir Monsieur Thomao, thermicien. Je me dirige actuellement vers le laboratoire de Monsieur Thomao, thermicien, qui va nous présenter en détail les différents composants qui se situent à l'intérieur d'une pompe à chaleur. Monsieur Thomao, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter les différents composants de cette pompe à chaleur? Bien sûr. Donc, tout d'abord, nous avons le compresseur qui va réussir à augmenter la pression dans notre fluide caloporteur en le comprimant. Puis nous avons le détendeur qui, lui, au contraire, va baisser cette pression. Et à quoi servent ces deux grosses cuves? Alors, ces deux grosses cuves sont indispensables pour le fonctionnement d'une pompe à chaleur. Ici, nous avons l'évaporateur qui va capter la chaleur de l'eau froide. Et ici, nous avons le condenseur qui va transmettre la chaleur du fluide caloporteur à l'eau qu'on veut chauffer. Merci beaucoup, Monsieur Thomas, pour toutes ces explications. Non. Dis-moi, Jamy, j'ai compris qu'une pompe à chaleur peut avoir de très bons rendements. Mais pourquoi utiliser une pompe à chaleur plutôt qu'un système de chauffage classique? Les pompes à chaleur présentent de nombreux avantages. Elles permettent notamment d'effectuer jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Pour 1 kWh d'énergie électrique consommée, une pompe à chaleur produit en moyenne 3 kWh de chaleur, soit 2 kWh gratuits. Mais il y a quand même quelques inconvénients à utiliser une pompe à chaleur, à savoir que le prix d'installation est parfois élevé. Il faut compter environ 25 000 euros pour une pompe à chaleur géothermique et de 5 à 10 000 euros pour une pompe à chaleur aérothermique. De plus, la maintenance est assez chère et doit être réalisée chaque année. Pour finir, Jamy, comment mesure-t-on la performance d'une pompe à chaleur? C'est simple, Fred. Pour mesurer la performance d'une pompe à chaleur, on utilise le coefficient de performance ou le COP. C'est le rapport entre la puissance énergétique qui est produite et la puissance électrique qui est consommée par la pompe. Pour une pompe à chaleur, le COP est d'environ 3. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les pompes à chaleur. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine pour une nouvelle émission.